Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 décembre, il est midi et quelques, midi et demi je pense. Je reviens de soirée, ça s'est trop bien passé, c'est un anniversaire avec un mec de mon master. Franchement il était content de ses petits cadeaux et tout, enfin vraiment il était trop mignon. On a rencontré ses amis, c'était super bien. Je suis rentrée, il était 4h30 je crois, donc voilà, je me suis réveillée à 8h30. J'ai fait 2-3 petits trucs, après je me suis rendormie parce que j'étais trop fatiguée. Et du coup, bah voilà, nous sommes maintenant à midi et demi et mon petit déj est prêt. J'ai pris ma petite tasse lutin, trop mignonne, cappuccino bien évidemment, des kiwis, je pense que ça peut être pas mal pour ce matin, et un croissant Nutella. Et après, on va ouvrir mes calendriers de l'Avent. Oui. Alors, pour les calendriers de l'Avent, j'ai le Ritual, le Majoli Candle, un truc de thé qui vient de chez Lidl, et Mademoiselle Bio. Du coup, bah, j'ai ouvert mes calendriers de l'avant. Prince a déchiqueté encore plus son jouet. Pour ma jolie candle, j'ai reçu une petite bougie. C'est dommage qu'ils aient pas bien collé le truc. C'est un peu penché, mais bon, c'est pas grave. Ça a la vanille, ça sent super bon. Franchement, c'est trop kiki, trop mignon. Rituel, tous les dimanches, en fait, ils mettent une bougie. Donc ça, c'est Oris Mimosa. Ça sent super bon, encore une fois. Le thé voyage d'essence goût russe. Je sais absolument pas ce que c'est. Et Mademoiselle Bio, ça j'ai trop hâte de tester, c'est un shampoing gommant, volume, protéines de riz, cheveux fins et plats. Bon, moi... Ma soeur arrive vers 15h30. Oh mon chat, ça, il fait des câlins à mes pieds. Tu veux venir à Ikea avec nous? Ah ouais? Que te passe, mi principe? Mon amour. Oh mon amour de chachao. On voit même pas ma chaussette. Mais du coup, le programme, donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous avais parlé du fait que j'aimerais bien changer mon entrée. Parce que j'ai mon porte-manteau qui s'est déchiré de mon mur, donc c'est génial, faut que je rebouche les trous. Et aussi, j'aimerais trouver une solution pour ranger mieux mes manteaux. Donc j'ai trouvé à Ikea un porte-manteau. Il est un peu cher, 100€. J'ai regardé sur le bon coin, c'était en seconde main, il n'y a pas. Je suis dégoûtée. Du coup... Ok, inquiétez pas ça. Et bah du coup, on va aller chercher à Ikea avec ma soeur le porte-manteau, on va le monter, etc. Alors, on va reboucher les trous aussi. Et je crois qu'elle va aller se promener faire les magasins. Donc on va y aller, on va faire les petits magasins tous ensemble. Donc bah écoutez, je vous montre un petit peu l'entrée pour vous montrer les dégâts. Bon déjà, il y a ces deux valises, mon père les prend. Donc il y a cette valise là et cette valise là. Non, Prince, c'est pas l'heure de la pâtée. Ça c'est une valise qu'il faut que je range dans une autre valise. Du coup, il y a tout ça de bordel, ça de bordel. Voilà, donc ça c'est pas possible, genre c'est plus possible. Toutes mes chaussures et tout, j'espère que ça rentrera dans le meuble. Il faudra que je bouge en fait tout ça quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, je sais pas encore où le mettre, je pense dans le bureau. Parce que c'est le meuble de ma grand-mère que j'ai retapé et que je tiens énormément. Voilà, écoutez, pour l'entrée, c'est un bordel. On va faire un avant-après, je pense que ça va être plutôt pas mal, mais regardez-moi ce bordel. On est à Orchestra et King Joy, du coup à ces villages. Et ma soeur a trouvé ça pour sa fille du coup. C'est trop bien, c'est pour le bain. Et avec, il y a le petit jouet. Trop mignon. Et du coup, on est en train de regarder des tenues pour Noël. Regardez le petit lutin. Adorable. Petite chaussette, oh là là, c'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. Ah, en plus, il y a plein de... Fou, j'ai failli tomber. Ouais, il y a des petits, t'as vu? Ouais. Petit cadeau. Bah regarde, on va voir là. Ah ouais. Ça coûte combien? Waouh. On va se calmer. Oh, j'aime trop. Calendrier de l'Avent. T'en as pas cette année? Je suis un peu choquée des dessus, genre. C'est comme des petits pains, le truc. J'en ai plein à Carrefour. Elle est trop bonne ta boîte. Ah mais, il y a des trucs à l'intérieur. T'as vu, je suis la reine de la flémardise, mais vraiment les pâtes à biscuits, c'est juste du beurre, de la farine. Ah ouais, je me demandais ce qu'il y avait dedans. Il y a un pain, il faut rajouter du beurre. Ouais. Je sais pas s'ils font d'autres... Ah mais ça c'est nouveau. Oh, oh. Par contre, regarde la pendule genre. C'est quoi ça? C'est une pendule. Ah oui, une pendule. Tu sais, j'avais tout acheté chez eux, normalement j'avais tout. Ah, le renne, on l'a déjà. Ah, le traîneau. Le traîneau, on l'a. Moi, je l'ai en 3D, le traîneau. Ah ouais. Ouais. Oh non, il y a Bambi. Après, j'en ai des sapins. Mais pas en, comme ça. Ah, lui, il est trop beau, regarde. Attends, le vert, il fait combien? Ah ouais. Mais ah, bah, ceux-là, je l'ai. A découpé sa mère quand tu le... Ah, mais ils sont moins chers, les prix, là. Ah, il y a 6€. Enfin, 6€, non, pour ça, c'est trop cher. En plus, j'en ai des sapins. Il y a un petit train.
Non. Oh, une botte de Noël. Non, j'ai la botte déjà, je crois. Mais celle-là, elle est trop bien. Il y a le cadeau et le... J'avoue. Oh, j'avoue. J'imagine déjà le truc là, blanc, ouais, bah, okay. Rouge. J'ai déjà une botte. Est-ce que j'ai une botte? Ouais, je crois. Grosse pigeonne que je suis, je vais acheter ça parce qu'il y a un panda. Après, il y a un ours. Il y a... Je sais pas ce que c'est. Il y a pas. Oh, il y a un chat. Oh non, c'est ridicule. J'adore. Vraiment pas mal, ça. Oh, j'aime trop. Ça fait très karma, ça. Oh. C'est joli. Ça, t'es légère. Je viens de rentrer. Je viens de rentrer. Il est 18h44. J'ai super faim. J'ai envie d'un Big Mac. Mais vraiment, je pourrais mourir pour un Big Mac à l'heure actuelle. Attention, Prince. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté à Action. Plutôt pas mal. Action, Ikea et Alice Ellis. Alors, on va commencer du coup par Ikea. Je me suis repris des couteaux parce que j'en avais pas comme ça, donc j'en ai repris, c'était 5€ les 4. J'ai pris des jacinthes pour mettre au niveau de mon étagère, donc des jacinthes, j'adore les jacinthes, je trouve ça trop beau, en violet et en blanc, donc je vais les mettre directement. Parfait, ça va trop bien dans la peau, je suis trop contente. Et du coup bah le porte-manteau, je voulais pas montrer, mais je voulais montrer dans le dernier vlog, mais de toute façon on va le monter ce soir, enfin je crois, si j'ai assez de temps, parce que il y a mes voisins qui râlent parce qu'on a pas fait de café cuit aujourd'hui, donc je leur ai dit que je pensais à un McDo. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Alors déjà, tu arrêtes les gros mots parce que nous avons une petite fille à la maison. C'est vrai. De deux, McDo, nous non, mais on allait se commander des pizzas si tu veux. Donc tu peux viendre et... Wesh. À quel moment on fait pizza QG? C'est McDo QG, café QG, mais pizza QG, vous êtes bizarre vous. Oh, faut que je vous raconte ma soirée. Mais vraiment, il y a des choses à dire. Mais faut que je monte mon meuble là, fait chier quoi. Bref, du coup à Action, j'ai acheté des tucs. Genre j'en ai mangé avec ma soeur, j'avais trop faim. Et des petits trucs comme ça là pour les apéros. C'est plutôt pas mal. J'ai pris ensuite des touillettes. Parce que j'ai besoin de touilleter mon... Je sais pas si ça se dit touilleter, touiller, oui touiller, pardon touilleter. Mon café à la fac ou au monté, il n'y a pas de choses comme ça, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi une carte d'anniversaire, vraiment cliché. Bon, c'est la plus jolie je trouve. Mais voilà, c'est une carte d'anniversaire. On va vraiment s'amuser, surtout pour écrire, je sens que... Ça va être sympathique, donc ce sera pour bah, celui... En fait j'ai fait une soirée hier, c'est l'anniversaire de mon pote. Du coup son vrai anniversaire c'est jeudi, donc je vais faire ça et je vais prendre aussi un petit gâteau à la boulangerie pour lui mettre une petite bougie. Ensuite à Alice Delice, bah j'ai pris... Ah oui, à Action aussi j'ai pris des lingettes, voilà. Ensuite j'ai pris à Alice Delice des petits nouveaux emporte-pièces. Donc c'est celui-ci, c'est une boule comme ça, je trouve ça magnifique. Donc c'est assez cher, hein, c'est 6€ ou 7€ je crois, le truc c'est super cher. J'ai pris ça aussi. Trop beau la petite botte, j'adore. Ma soeur elle l'a pris, enfin elle me l'a mise dans les mains en mode prends parce que c'est trop beau, j'avais pas le choix. Ensuite pour le glaçage j'ai pris ça, alors c'est vachement pratique ce genre de choses si vous faites des biscuits de Noël, c'est très très bien. C'est 3€ le tube et là dedans je crois que c'est 8,79€, vous économisez genre 21 centimes. Si vous prenez les 3, donc voilà j'ai pris rouge, vert, blanc et j'ai pris du noir en plus, donc j'en ai pris 2 parce que je vais en faire beaucoup je pense cette année pour mes amis, pour mes collègues de travail, pour avoir une bonne note aux mémoires. Pour peut-être mes directeurs, faut vraiment que ça soit bon, hein. Donc j'espère que ça sera le cas. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai aussi acheté un cadeau de Noël. Franchement, j'étais très productive. J'ai acheté un appareil à raclette pour ma belle-mère parce qu'elle en voulait un comme ça. En plus, c'est bien, ça fait pirate au-dessus, c'est super bien. Donc un petit appareil à raclette à 25€, je crois. C'est fait, voilà pour ça. Je vais voir ce qu'ils me disent les voisins. Hein. Non, mais déjà, comment ils mangent pizza? On a trop mangé McDo, lol. Mais je meurs. Je pense que je vais manger McDo avec eux et après je vais monter le meuble, mais il faudra pas que je rentre trop tard. Et j'ai voulu acheter d'autres cadeaux de Noël, mais en fait il n'y avait pas un magasin, donc je pense que je vais devoir commander sur internet. Ou même regarder peut-être sur Vinted, s'il y a peut-être des petits trucs, genre des livres et tout pour les enfants. Parce que bon, 15 balles un livre, il y a 36 milliards d'enfants, c'est un peu compliqué. Donc j'irai voir sur Vinted, je vais vous montrer du coup le meuble. Donc voilà le meuble, c'est en métal, donc ça c'est ce que j'aime, ça va faire beau je pense. Ça va pas être si compliqué à monter. Je vais monter tout ça, c'est parti. Enfin, j'espère avoir assez de place. Prince, t'es où? Ah, t'es là? Allez, viens.
Après, je ferme la porte. Allez, hop, hop. Bon, du coup, voilà où j'en suis. De toute façon, je vais devoir continuer le vlog un autre jour parce que là, je suis très fatiguée. Mais il faut que j'essaie de le monter un maximum ce soir. Pas mal quand même, la qualité est plutôt bien. Nous sommes quelques jours plus tard parce que je suis tombée malade, c'était un bordel, bref. J'ai donc installé le meuble, il passe parfaitement. J'ai rebouché les trous, j'attends que ça sèche. Mais c'est vraiment un carnage pour le rebouchage parce que j'ai fait ça avec une cuillère, donc voilà. Mais sinon quand même, plutôt bien. Genre ça se marie bien. Et je viens de voir en fait que mon meuble il a vraiment jauni parce que j'avais pas mis de vernis. Du coup bah ça a fini jaune quand j'avais juste repassé un petit coup de blanc. Donc il va falloir que je refasse mon meuble bientôt parce que là c'est vraiment moche, t'as toutes ces traces et tout, c'est plus possible. Je vais essayer d'installer du coup des petites affaires. Je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre des chaussures là, mais ça fait vraiment pas très propre. Peut-être essayer avec ce genre de petit panier parce que là en fait il y avait tous mes trucs de travaux. Donc, c'est un peu la merde. Ouais, c'était vraiment pas pratique, c'est ce que j'avais vu. Du coup, il faudra que j'achète... je sais pas si je vais acheter des trucs pour remettre dans des boîtes, je sais pas. Je sais vraiment pas parce que ça ne marche pas, c'est beaucoup trop haut. Je vais vous montrer du coup le résultat. Bon, j'ai un peu mis ça en bordel là pour l'instant. Mais tout tient, genre c'est un truc de ouf, genre tous mes manteaux tiennent. J'ai dû mettre des petits des trucs en dessous là pour relever... Enfin, pour le pencher, parce qu'il penchait vers l'avant, c'était un bordel. Mais en tout cas, mes manteaux, ils sont là. Ça fait une semaine que j'utilise ce porte-manteau-là. Et franchement, il est génial, super bien. Du coup, là, j'ai mis mes bonnets. Et c'est là où je mets aussi mes gants, etc. Là, c'est mes bottes, mes chaussures qui tiennent bien. Bah, du coup, ça marche super bien, ce petit système-là de... Ce petit système-là, comme ça, pour mettre les chaussures. Et Prince adore se faufiler là-dedans. C'est un truc de ouf. Genre, il est hyper curieux, il adore, il kiffe. Donc, il se met souvent ici, dans mes manteaux. Mais c'est vraiment très, très bien. Je peux vous conseiller. Bon, c'est 100 €. Bah écoutez, voilà pour la petite transformation de l'entrée. Bon, il y aura beaucoup de rangements à faire et tout, mais au moins là, tous mes manteaux que j'utilise au quotidien, ils sont là. Donc voilà, c'est vraiment un petit vlog pour mercredi, donc pour vous aujourd'hui. On se retrouve samedi et pas dimanche. Je sais pas trop le thème, je crois que ça va être tout ce qui est emballage de papier cadeau, etc. Faire les derniers petits achats. Enfin bon, un petit peu tout ça, donc je vais vous filmer ça, je pense que ça va peut-être un weekly vlog, je sais pas du tout, je sais pas comment je vais m'organiser. Et donc ce sera samedi et pas dimanche, puisque dimanche je veux vous laisser profiter de la famille, aller voir votre famille, etc. Et on se retrouvera du coup, je pense le 27 décembre, voilà, comme ça on va faire un petit point cadeau, on va faire un petit haul cadeau, comme on a l'habitude de faire. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait, je vous mettrai d'anciennes bisous ficherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye.